Et salut tout le monde, ici Dorkman, et on se retrouve pour le premier Shiny de mon projet Shiny Friend Safari, qui est Poulagriffe. Voilà, il est apparu juste à l'instant. Donc on voit pas bien la différence avec le normal. J'ai vu les étoiles, donc ça c'est cool. Et ouais, donc la différence est pas hyper flagrante. Je suis un peu déçu là-dessus. Attendez, j'essaie de choper mon stylet. Voilà. Donc la différence, il est un peu plus foncé. Là, on ne voit pas trop avec la caméra. Donc au niveau de la barbe, c'est bleu, un bleu un peu plus foncé. Et au niveau de ses pattes et ses griffes, donc ses coussinets, on va dire, et ses griffes, elles sont un peu violets, comme ça. Donc c'est sympa. C'est pas un changement énorme, mais c'est sympa. Donc, on va commencer la capture. Ouais, désolé, je peux pas parler fort parce que il est un peu minuit. Faut que je le chope. On va essayer une rapide. Allez, rentre dans la boule. Hein? Ok. Ok. Ténacité, ok. Alors, on va réessayer. Ah là là. Il veut pas rentrer. Alors attendez, il fait nuit. Bon, je vais quand même réessayer une boule comme ça. J'ai pas de quoi l'affaiblir, ni l'endormir, ni quoi que ce soit. Du coup, c'est un peu à la YOLO. Il veut pas rentrer. Un boule. On va essayer une bis, vu que j'en ai déjà un. Yes, on l'a. Pour la griffe shiny attrapée. Bien, super. Magnifique. Ah, je suis content. Je suis content. C'est le premier shiny de mon projet. Du coup, je suis hyper content. Je vais l'appeler Nounours des Neiges. Alors, je sais pas si ça va passer. On va voir. Alors. Alors. Moi, je vais juste l'appeler Nounours. Allez. Nounours. Nounours, comme ça. C'est Nounours. Voilà. Nounours transféré boîte. Nice. On va pouvoir sortir de là et aller le chercher. Alors déjà, je vais sauvegarder. Hop. Bien, on sauvegarde. Alors je l'ai trouvé dans le safari de Jules. Alors c'est son nom in-game. Faudra que je retrouve le code ami. Si je le retrouve, je l'afficherai sur la vidéo. Sinon, tant pis. Alors, ranger les boîtes. Ah, il est beau. Rideau neige. Alors, rideau neige. Je crois que c'est son talent caché, on va voir. Non, c'est pas son talent caché. Mais ça reste quand même sympa. Moi, ouais, ça va, il a des attaques assez sympas. Plutôt cool.
Alors, de quelle nature il est maintenant? Alors, de quelle nature il est? Ah, il est beau. Donc, on voit pas trop la différence, c'est ça qui est drôle. Heureusement qu'il y a la petite étoile. Alors, il est docile, voilà. Rencontré au safari des amis. Super. Bien. On va le prendre et on va le faire combattre pour vous montrer un peu les étoiles. Alors, Pokémon. Hop, on le met en premier. Toc. Hop, on rentre au safari. Je vais aller justement dans le safari de Jules. Hop. Et on va faire combattre. Voilà, c'est parti. Bon, voilà. C'est très blanc tout ça. Voilà, donc il y a les étoiles, c'est magnifique. Donc, là, les amis, j'annonce le prochain Pokémon que je vais chasser. Alors, que je regarde ma liste. Alors, le suivant, c'est Misterbe. Misterbe, voilà. Donc pour ceux qui ont un safari avec Mystère dedans, bah j'attends vos codes amis. Et je commencerai à le chasser à partir de là. Voilà. Bah écoutez, c'était Dorkman pour ce magnifique pôle à griffe Shiny. Puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain Shiny. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, follow sur Twitter. Tout ça, tout ça. Voilà. À plus tout le monde.